La historia y el psicoanálisis no están simplemente articulados, sino que comparten elementos en común. La historia colectiva está en la lengua, la historia individual está en la lengua y ambas están anudadas. Los cortes en los relatos históricos provocan un sesgo y un efecto de sentido muy distinto. A lo que hubiera sido sin ese corte, en ese determinado lugar, muy cercano a lo que es la escansión en psicoanálisis. El uso de la memoria perso personal y su vinculación con la memoria colectiva en la construcción de un evento. La búsqueda de una verdad y la ética concomitante. Una ética que, como lo dice Lacan, su eje está en el registro del real un real sometido a la interposición del de registro del simbólico y del imaginario. Esto lo dice en su seminario de un otro al otro en la sesión del 26 de febrero de 1969. La presencia de mitos, doxas, finalmente, de significantes en la memoria colectiva y en la memoria personal para sostener una visión. Todo esto inmerso en lo que juega un papel definitivo, el inconsciente. Todo esto son algunos de los elementos por lo que presento hoy La Política en la Historia, parte de una presentación de Schlomo Sand en París en 2014, que agrega y precisa a su presentación anterior, problematizando con Schlomo Sand. Factores en la construction de relatos historiques. Nous sommes, acaso, historiadores de notre histoire Pardon. Je vis la plupart du temps à Tel Aviv. Et voilà, donc, et je travaille à l'université de Tel Aviv, même que beaucoup de gens là-bas souffrent beaucoup de cette fait-là. Et je voulais dire que je viens d'un pays qui n'est pas du tout démocratique, ni républicain, mais assez libéral. Parfois, je pense plus libéral que les, la République française. Le fait que, je, si vous voulez plus tard poser des questions sur ces définitions qui sont moins courants en France entre la distinction entre démocratie et libéralisme, je peux expliquer, mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Avec les titres. Sur le titre que j'étais invité ici, c'était l'usage politique des passés. Et je sais que je suis ici devant des philosophes et pas des historiens. C'est vrai ou non Bon. Donc je vais faire une introduction générale parce que je suis en train maintenant d'écrire un livre qui a un rapport avec le sujet que j'étais invité sans que vous sachiez que je travaille sur ce livre. Comment je cessais être un historien normal c'était normal entre guillemets, entre parenthèses, mais ce n'est pas une blague. Peut-être ce sera le titre. Sauf que les gens peuvent être fatigués. Comment, 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 comment je cessais d'être juif, comment je cessais d'être historien, mais ce n'est pas une blague. Parce que je voudrais passer à écrire des polars historiques. Donc, pour revenir à l'usage politique des passés, et comme j'ai eu ce titre, je pensais qu'en fin de compte, c'est la définition de l'histoire. L'usage politique des passés. C'est-à-dire, c'est pas que tous les historiens sont conscients de ça ou qu'ils travaillent avec un but d'utiliser les passés à fin politique. Non, je ne voulais pas dire ça, mais déjà Aristo, comme je suis entre philosophe, donc je vais parler sur Aristo, Nietzsche un peu, d'accord, pour vous plaire un peu. Okay? Donc déjà Aristo, qui n'a pas aimé, vous savez, qui Aristo n'a pas aimé l'histoire. Il était très critique. Il a pensé que des émerdeurs, les historiens, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ce n'est pas une blague. Il a préféré les mythes. Mais il y a une fois qu'il il écrit que pour les livres d'histoire, c'est bien pour les âges politiques. Une fois, il écrit ça. Il comprend qu'il faut donner ça aux, comment dire, aux élites politiques. Les livres d'histoire peuvent servir. Et aux hommes politiques. Et je crois qu'à partir de ce moment là jusqu'à plus ou moins dans le XXe siècle, les fonctions des historiens étaient données des exemples du passé pour utiliser politiquement dans le présent. Et si vous regardez de près l'itinéraire de presque tous les philosophes, à partir d'Hérode jusqu'à le début du XIXe siècle, Presque tous les historiens étaient liés au pouvoir. Ils ont écrit à côté des pouvoirs. Et ils ont écrit la majorité des temps pour le pouvoir. Bon, vous savez que 90 et même plus ne savaient pas lire et écrire. Donc cette élite qui a consommé les écritures historiques était toujours des élites des pouvoirs. Et je n'ai entré pas quelle sorte de pouvoir mais c'est très difficile de trouver des historiens qui n'étaient pas liés au pouvoir. Et si vous êtes tellement proche du pouvoir, c'est évident que les sujets que vous écrivez sur le passé ont des rapports directs avec le pouvoir. Ça veut dire que le sujet est politique. Des héros de, et. et, et to, to, comment on dit en français Tokidides. Tokidides dit, donc les, les guerres sont. Le premier livre, c'est la guerre en centre de la réoccupation », et c'est continué comme ça jusqu'à le XXe siècle. L'histoire est avant tout une histoire politique. Ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas des historiens. Oui, oui, l'histoire est essentiellement politique. Il y a ici et là, on ajoute des choses. Euh, déjà, Hérode, mais il est exception, euh, des sujets très anthropologiques, très culturels. Mais il y a très peu d'écritures sur l'anthropologie humaine ou sur les cultures humaines au passé. La plupart des historiens, c'est historiens politiques jusqu'à le XXe siècle. Et je peux vous ajouter ici et là quelques exceptions, mais la majorité écrasante des historiens, et on peut débattre ça après, c'est des historiens politiques. Donc. Parler sur l'usage politique des passés, c'est le, le plus évident pour moi, parce que je crois que l'histoire est née comme une, euh, une, comment dire, un genre d'écriture, euh, euh, comme histoire politique, à cause des nécessités politiques. Bon, il y a aussi des autres euh, comment on dit, motivations, curiosités, et, et des autres rapports, mais à partir de l'écriture historique de la société, que j'appelle hydraulique, d'accord Mésopotamie, l'Égypte, la Chine, le grand le début de l'histoire, c'est là-bas, oui. Chez les sociétés hydrauliques, on trouve une écriture historique déjà à cette époque, toujours en service des pouvoirs. Et aussi, et c'est une question très importante, et c'est-à-dire, c'est des élites qui consomment ça. Très très minces les, ces élites-là. Pourquoi on a besoin de passer C'est premièrement pour affirmer les pouvoirs actuels. Pour, pour faire un, un lien des dynasties avec les le passés pour prouver que le pouvoir est légitime actuellement. Je crois que c'est le, le tâche principale des historiens des les la, la vraies antiquités que j'appelle euh, Mesopotamie et, et, et l'Égypte et aussi euh, la Chine évidemment, mais c'est aussi euh, le principe euh, comme fondatrice fondateur Dès la historiographie euh, que j'appelle méditerranée, si grec, aussi euh, aussi euh, romain. Les historiens, sont des historiens politiques. Et donc, pour dire, je suis euh, Aristote, L'histoire est toujours instrumentelle, instrumentale, instrumentelle. C'est-à-dire une chose instrumentelle. Il ne faut pas être étonné. C'est logique pour moi. C'est évident pour moi. Soi-disant naturel pour moi et je n'ai pas compris ça quand je m'inscris première année de l'université en histoire, et je m'intéressais à d'autres raisons en histoire, mais je me trompais complètement. Aujourd'hui, quand j'ai arrivé à la sommet des professions, j'ai compris beaucoup plus, et surtout après écrire ces trois, quatre livres que j'ai écrits sur l'histoire du sionisme, du judaïsme, d'Israël, etc. Bon, et je crois que nietzsche non plus n'a pas, pas eu tort comme il a défini l'histoire comme une théologie moderne vous savez ça non mieux que moi peut-être une des plus grandes critiques de métiers des historiens c'est nietzsche à la fin du 19e siècle comme vous savez très bien et plus en plus le dernier temps en lisant nietzsche je me sentis euh, comment dire plus en plus faible en face de lui parce que je ne suis pas Nietzschéen et même pas Foucaultien, je n'ai jamais été. Mais, mais, dernièrement, en lisant Nietzsche, et aussi bien sûr Foucault, mais surtout Nietzsche, que j'ai senti de plus en plus faible dans les choses que je faisais. Et Nietzsche a, a défini l'histoire comme théologie moderne. Il était très critique une des rares en Allemagne parce que les annonces ceux qui ont fait naître l'histoire moderne, l'histographie moderne vous savez ça, l'histographie moderne 19 e siècle ou l'histographie comme métier n'était pas née dans la république française, ni dans la monarchie française, et ni dans le libéralisme britannique c'était né dans le pays le plus conservateur à cette époque en Europe peut-être euh, centrale, occidentale c'est la Prussie L'histographie comme métier, l'histographie comme profession, et avec toutes les règles de jeu de l'écriture historiographique, c'est fait à Berlin. Et les, les Allemands, je crois, euh, les élites, les intellectuels allemands, étaient les plus historiques de toutes les autres élites en Europe. Ça, c'est mon avis, beaucoup plus que les Français. D'ailleurs, les, les professions, les, les statuts d'un euh, historien professionnel, ça, ça s'établit à Berlin, et aussi à Göttingen et des autres places, mais pas à Paris. Je crois, un demi-siècle. C'est un écart de demi-siècle entre la professionnalisation de l'histoire dans les langues allemandes et les choses qui sont passées après en France, en, en Angleterre et aux États-Unis. Donc c'est les Allemands qui sont les vrais premiers historiens professionnels de l'ère moderne. Si vous voulez, je peux essayer d'expliquer ça, mais ce n'est pas une partie permanente de mon conférence aujourd'hui. Mais s'il y aura des questions, pourquoi en allemand, c'est une, une question très, très qui me gêne beaucoup. Je ne, je ne sais pas vraiment les, la réponse, mais j'ai certaines hypothèses. De toute façon, pour revenir, les allemands sont très, très historiens, très, très historiques. Pourquoi, justement, en allemand, il y a une figure comme Nietzsche, qui à mon avis les critiques les plus intéressants dans le 19e siècle, qui met en question l'histoire comme un métier, l'histoire comme un, un discours rationnel. La première raison que Nietzsche est anti-historique, c'est parce qu'il n'est pas nationaliste, dans les larges termes de nationalisme. Nietzsche a beaucoup de défauts, mais une chose, il n'aime pas les Allemands. Et ça, vous savez très, très bien. Je crois qu'il y a un lien, un rapport entre le fait que Nietzsche n'est pas nationaliste allemand et le fait qu'il critique l'histoire. Je voulais que vous pensiez sur ce sujet. J'arrivais à cette euh, position parce que, comme j'étais jeune ici à Paris, étudiant, sans savoir beaucoup le français, j'ai fait une thèse sur Georges Sorel. Vous connaissez le nom Georges Sorel Ça vous appartient, c'est un français, hein? un bon français de souche. Comme Finkelkraut dit. Et Sorel euh, aussi était très critique en face de l'histoire. Et je crois aussi que Sorel a critiqué euh, les historiens, entre eux, un cousin qu'il a eu, Albert Sorel, et, et parce qu'il il, n'était pas nationaliste français. Il n'a pas aimé les Français, c'est-à-dire toutes les, comment dire, les fermetures françaises, les, les fiertés françaises, etc. Donc, euh, les deux figures Nietzsche et Sorel, parce qu'ils n'étaient pas nationalistes, et, et ils étaient, à mon avis, et, et très, très critiques en face de l'histoire. Donc, pour continuer un peu, et je pose peut-être une question, c'est-à-dire cette constitution de la métier des historiens. À mon avis, la raison est politique. Il faut le chercher dans la constitution de la monarchie. Euh, allemand, prussien, mais aussi, et ça c'est important, je me posais très tôt dans ce travail que j'ai fait maintenant, les questions simples, et peut-être vous avez une réponse. D'ailleurs, je suis venu ici pour profiter, peut-être vous allez me donner des idées que je vais utiliser dans mon livre. C'est Avec mes étudiants à Tel Aviv, j'ai fait toujours. Après, je vais plus remercier ça en début de livre. Pas de problème, ok? Maintenant, la question pour moi. Est-ce que vous savez, à partir du même siècle, comme l'histoire devient une profession, un métier, un champ, pourquoi on enseigne au lycée l'histoire partout, chez Poutine, sous Saddam Hussein, hein, partout Il n'y a pas de lycée au monde que les métiers histoire n'existe pas, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas des étrangères qui peuvent me contredire ici Non, ça va. Donc, est-ce qu'on enseigne parallèlement les philosophies Hmm? Pas partout. Non, la plupart des, en, en Israël, jamais. On peut en France, ici et là, comme, mais ce n'est pas le même poids ni les mêmes places de tout. Et d'ailleurs, la France est l'exception. Qu'il y a ici et là des enseignants de philosophie au lycée, ça dépend quel, quel, quel domaine vous prenez, etc. Mais l'histoire, c'est un devoir pour tout le monde, non Partout dans le monde. Pas la philosophie en, Isra en Israël, il n'y a pas dans le lycée de philosophie d'ailleurs. La plupart des, des États nationaux, il n'y a pas la philosophie. Pourquoi l'histoire est devenue un métier de devoir et pas la philosophie? Surtout que, un point de vue historique, ça a dû être la philosophie, parce que la philosophie existait comme métier avant l'histoire c'est-à-dire dans l'université qui sont a été constituée par l'Église, comme vous savez bien, hein, à partir du 12 siècle, les philosophies, les théologies, comme partie des théologies, étaient très importantes, mais pas l'histoire de tout. La première chaire en France, c'est 1812, première chaire en histoire. Donc, je reviens à la question importante, à mon avis, pourquoi on enseigne l'histoire et pas les philosophies pour les colliers, les, les gens des lycées, etc. Bon, maintenant je vais essayer un peu, euh, comment dire, plus direct. Vous êtes d'accord qu'en principe, la philo philosophie doit apprendre les gens comment penser. Pas que tous les philosophes, le prof de philosophie, font ça, mais les philosophie, le but est de faire euh, apprendre les gens comment penser. Vous êtes d'accord ou non L'histoire, dès le début, le but est de faire pas faire penser comment penser mais quoi penser vous êtes d'accord ou non vous avez fait tous l'histoire à l'école non et l'histoire apprend les gens quoi penser c'est une des raisons qu'on apprend l'histoire et pas les philosophies et c'est naturel normal non c'est-à-dire si c'est en, en, en qui est les philosophies dont tous les lycées du monde a pris les places de l'histoire à ce moment là Comment dire Les cultures nationales partout auraient préparé les fausses voyeurs, on dit, de cette culture. Vous comprenez ça Les fausses voyeurs, on dit. C'est-à-dire ceux qui vont enterrer la culture nationale. Ça, c'est mon idée, mais il y a des autres raisons. On n'apprend pas la philosophie, on apprend l'histoire. Ce n'est pas vous, pour vous flatter que j'écris ça déjà, d'accord Avant d'être invité par les philosophes. Et c'est important dans le sens, à mon avis, pour comprendre les fonctions de l'histoire à partir de la naissance des états nation dans le XIXe siècle. L'usage politique du passé dans la modernité, c'est l'usage politique du passé pour construire une culture nationale. Le premier but, pas exclusif, mais le premier but de métier des historiens, c'est contribuer. Pour la construction d'une culture nationale. C'est la raison que chaque lycée dans le monde, on apprend l'histoire. À côté de quoi Des autres métiers qui contribuent à la construction de la culture nationale. Comme quoi, géographie, évidemment, littérature, c'est des, des devoirs au lycée. So, et bien sûr, pour le fonctionnement économique de la société, il faut prendre les mathématiques, la et, et physique, etc. Mais sur le domaine des choses qu'on appelle sciences humaines, sciences sociales et tout ça, c'est surtout littérature, langue et histoire. Je me trompe Les trois. Les trois fonctions, justement avec un but politique précis, c'est-à-dire construire, si vous voulez, une culture nationale. Et je crois, vous savez que, comment il s'appelle châteaubriand Non, ce n'était pas... Non. C'est des qui a dit. Des un jour, a dit, au début du 19e siècle, que l'axe le, que le central des royaumes c'est le bourreau. C'est le royaume, c'est base sur le bourreau. Ernest Gellner, vous connaissez le nom Ernest Gellner, c'est une grande grande théoricien de nationalisme, a complété cette idée. Que dans l'état-nation, ce n'est pas le bourreau, c'est le professeur d'histoire. or le professeur, moi j'ajoutais professeur d'histoire, c'est lui qui a remplacé le bourreau. c'est logique ou non? c'est-à-dire il faut respecter les métiers parce qu'il a rempli une, une tâche énorme à travers les dernières 150 ans. partout, les régimes libéraux, les régimes plutôt démocratiques, les régimes autoritaires, les régimes totalitaires, partout il y a une histoire. Dès qu'il y a une État-nation, même sous le communisme, le stalinisme, etc., toujours l'histoire a fonctionné bien. Et on a fourni des profs d'histoire partout. Je peux continuer, ça va Il n'y a pas de questions Bon, je vais continuer pour vous dire que dans les années 30 du 20e siècle, le siècle dernier, l'histoire comme métier, comme profession, Commence à changer. Euh, le lieu qui se déroule, euh, ce début des changements, c'est plutôt la France, Strasbourg, Paris. Je voulais dire que la révolution des Annales, vous connaissez comme de bons français, qu'est-ce que c'est l'école d'annales, non Et l'école d'annales commence à changer, soi-disant, le fonctionnement de l'histoire en créant une histoire plutôt je dis euh, culturel, économique et social, avec une grande, grande critique en face de toute l'histoire politique jusqu'à cette date, 1929, si vous voulez. À partir de cette date naît euh, en France une tendance, une pensée, une démarche historiographique, soi-disant apolitique et même parfois antipolitique, et soi-disant l'anal à partir de Fèvres-Bloch, à travers Brodel, jusqu'à les Nora et les Goff, vous pouvez voir, c'est-à-dire un, un développement d'histographie très riche, très original, mais apolitique. La question pourquoi en France, cette naissance de nouvelles histoires, et pourquoi c'est répandu partout, hein, jusqu'à mon propre département d'histoire Il y a beaucoup de réponses à ça. Je crois que la, les mérites et les faiblesses de l'histographie d'Anna, l'histographie de Paris, justement ce désir de ne pas se confronter avec la politique. Et comment dire ça Les raisons pourquoi... Cette école d'Anal fuit la politique est composée comme presque tout phénomène important dans l'histoire, dans l'histographie. Le Fuis de la politique d'Anal, c'est avant tout, à mon avis, dans le petit contexte entre deux guerres, c'est la fuite de se confronter avec la Première Guerre mondiale. L'école d'Anal, c'est-à-dire la revue, naît en 1928 à Strasbourg. Et, se déplace à Paris et devient plus en plus une, une revue très très importante dans les 30 et à partir de 45, peut-être la revue historique la plus importante dans le monde entier. Et si, bon, j'essaie de lire le maximum de tous les articles des années 30, il n'y a même pas un article qui se confronte avec la question de la première guerre mondiale. Ça veut dire quoi Se confronter avec la question des nations et nationalisme. Je ne sais pas s'il y a des travaux sur les non-dites de l'histographie d'Annal, qui, qui a un rapport avec les problèmes eh, des nations et nationalisme. Vous pouvez imaginer une revue d'histoire, mais qui n'écrit pas même un article sur la Première Guerre mondiale, les causes, les tragédies après, les bouleversements, les catastrophes. Même pas un article. D'ailleurs, je me rappelle, j'arrive comme étudiant qui ne sait pas encore le français. Bon, même aujourd'hui, vous allez dire, il ne sait pas beaucoup. Mais de toute façon, j'arrive à 75. J'ai écrit pour demander une bourse, que je sais très bien le français. J'ai triché et j'ai reçu la bourse. Et, et voilà, j'arrive à 75. Après deux ans, je m'inscris à l'école parce que. Comment on dit en français, je crache sur les soupe que j'ai mangées. On se dit ça Je m'excuse, mais c'est presque ça. Non, en hébreu, en arabe, c'est différent, c'est plus gentil. On crache sur le puits qu'on boit. les soupe me fait un problème. Bon, euh, j'arrive à 75, je lis à peine, à peine le français, et à cette date-là, parce que je dois être court, je voulais justement passer aussi sur l'histoire du sionisme. Oui. C'est ça que j'étais invité, hein oui. <laughs> Et Non, c'est-à-dire une dernière chose sur l'histoire générale. J'ai arrivé à cette époque. Vous n'étiez pas né encore, mais je crois que mes collègues ici déjà étaient en vie, <laughs> non En 1914, à à, chez Gallimard eu trois volumes qui s'appellent « Faire l'histoire ». C'était, comment dire, le sommet de l'histographie française. Et trois volumes, c'est Jacques Legoff et Pierre Nora qui ont publié ça. Et je me souviens que c'était partout, de tous les rayons, tout le monde a parlé. J'ai appris les français avec les discussions sur ces livres-là. Il y avait dedans tous les grands noms de l'histographie française. Tout le monde, de Furet jusqu'à Le Royal de Vidal naquet jusqu'à Jacques Julliard. Tout le monde, plus que 40 articles. Sur quoi Sur le climat, sur les, les mentalités, sur les mathématiques, sur les. Il y avait aussi, même sur les marxisme, on, on était très libéral. Donc. Et il y avait aussi sur le cinéma, et Marc Ferro... Euh, plein de choses surtout les comment dire des thèmes euh, culturels c'était la révolution culturelle dans l'annale euh, pour sortir contre brodel l'histoire sociale économique qui a régné jusqu'à cette époque là. Et je me souviens que c'était un tournant dans le, ces troisième génération des écoles on a dit comme ça et ils sont devenus surtout que les médias la télé a donné beaucoup d'écho c'était, les comment dire les conquêtes de everest. Et j'ai déjà attendu de ça en Israël. Donc, euh, j'ai de lire avec un dictionnaire les articles. 40 articles sur n'importe quoi, sauf qu'il n'y avait pas qu'un article sur Vichy. Aucun article sur l'Algérie. Même si ce n'était pas mentionné comme un sujet secondaire. Imaginez, hein nous sommes au milieu des années 70. Hein? 40 historiens les plus brillants en France et peut-être dans le monde écrit l'histoire, résume l'histoire, toutes les démarches. Vichy n'a pas été mentionné. Algérie, colonialisme, décolonialisme, rien de rien. Ce n'est pas intéressant. Pour Jacques Le Goff, et Pierre Nora, qui en commandait les articles, et un intérêt de Vichy. Mais très intéressant, presque les mêmes dates, les mêmes années, une année avant, un historien américain qui s'appelle Paxton a écrit une petite livre, très importante pour l'histoire de la France, pas un très bon livre, à mon avis, mais très, très importante comme livre, le régime de Vichy. Le même temps, c'est un Américain qui peut se confronter avec ce sujet qui est non dit dans l'historiographie française à partir de 1945. Bon, il y a un livre de Robert Aron qui n'a qu'un intérêt. Robert Aron, pas. qu'un intérêt. Donc c'est un Américain qui ose écrire un livre sur Vichy. Ça m'a troublé à cette époque, mais j'étais tellement fasciné par l'histoire des climats, l'histoire du cinéma que je n'ai pas fait attention. Je, je, je ne rigole pas. Je pas fait attention. Et d'ailleurs, aussi, il n'y a pas le rapport histoire, nation, nationalisme, ne se trouve pas dans les livres. Personne ne s'est pas intéressé à un sujet comme l'histoire nationale. Rien. Je, je me demande comment c'est possible. Bon, il y a beaucoup de choses à dire si vous voulez, s'il y aura une question. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresse dans tous ces sujets que je sais afficher, mais c'est à propos des usages politiques. Vous savez qu'il y a un usage politique des passés, de ne pas mentionner les passés. C'est un bon usage politique, d'accord Bon, je vais passer maintenant sur euh, une chose. Les mêmes personnes, Pierre Nora, qui est le plus grand éditeur que j'ai connu de ma vie. Qui fait cette Faire l'histoire des trois volumes? Dix ans après, 74-84, il commence un nouveau projet qui s'appelle Lieu de mémoire. Vous avez attendu. C'est devenu quelque chose comme euh, Tour Eiffel, non presque pour les intellectuels. Lieu de mémoire, Tour Eiffel, l'Elysée, tout ça, c'est une chose sacrée. C'est devenu un lieu de mémoire. Les livres euh, en soi, c'est un lieu de mémoire. C'est un grand, grand travail d'édition, sept volumes. Oui, Vichy, Vichy ne figure pas tellement dans les livre aussi, mais les mémoires figurent. Ça devient les stars. Je parle au milieu des années 80 et ce phénomène, c'est exactement 30 ans, non? Nous sommes 30 ans avec ça. Je crois que c'est un processus très intéressant. D'ailleurs, un processus qui est abordé par Nora à 84. Il se confronte histoire et mémoire et essaie de faire les distinctions entre histoire et mémoire. L'histoire, c'est quelque chose de plutôt rationnel, critique. Les mémoire, c'est plutôt émotionnel, fluent, et même spontané. D'accord? C'est important parce que, à mon avis, c'est une étape de développement de l'histographie et une étape importante de l'usage politique du passé. Parce que une nouvelle façon d'utiliser le passé à la fin politique. Ça c'est mon avis. Les mémoires. mais À cette époque, on ne connaît pas encore le mot devoir de mémoire. Vous avez entendu Devoir de mémoire. J'ai vu ça. Chaque fois que je vois ça, ça, ça me fait trembler. Devoir de mémoire. Surtout que je viens d'un pays qui, la semaine dernière, le ministère de l'éducation a proposé de commencer le devoir de mémoire. Ça veut dire le devoir de mémoire de Shoah à partir des jardins des enfants. Ça, c'est nouveauté. C'est-à-dire que. Au jardin des enfants, on va commencer à prendre les mémoires des choix. Pour vous donner un exemple de devoir de mémoire, moi je crois que c'est arrivé à une sorte de perversité. C'est per, 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 pervers, pervers pour moi. Vous comprenez ça Bien sûr que je ne suis pas négationniste ou quelque chose comme ça, mais c'est per, pervers dans les jardins des enfants, les mémoires de Shoah. D'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas fait un plan. Qu'est-ce qu'on va montrer de cadavres ou quoi Essayez de essayer réfléchir. En quoi il s'agit Et quelle génération va naître après Si vous voulez, on va développer une discussion sur les mémoires, parce qu'il y a une sous-chapitre sous dans mon livre, le nouveau livre sur les mémoires, et les, les, les problèmes, les questions pourquoi ce soudan était surgit. D'ailleurs, à 84, c'est le lieu de mémoire, lancement de l'eau de mémoire, d'ailleurs aussi qui devient quelque chose de très très populaire. Hein. Partout, dans toutes les rayons, dix ans après que j'étais en France, l'eau de mémoires est partout. Ça remplaçait le faire l'histoire. Les mêmes années, un autre français fait un film aussi qui tout est composé sur les mémoires, rien d'histoire, tout est mémoire. C'est le film de Claude Lanzmann. Vous avez entendu? Claude Lanzmann a fait un film Shoah. D'ailleurs, ni dans le film Shoah ni dans le lieu de mémoire il n'y a pas Drancy. Vous savez qu'est-ce que ça Drancy? C'était le lieu que on amenait les et les citoyens et non-citoyens juifs et descendants des juifs vers Auschwitz. Vous savez, quelqu'un a vu le film de Shoah de Lanzmann hein? Non, c'est trop long, vous, vous allez dire, 9 heures, c'est long. Hein? Hein? Mais vous savez que ça, ça contribue avec la, la mettre en exergue les, les mémoires, pas moins que les lieux de mémoire. C'est des signes de temps. Shoah de Lanzmann, les mêmes années, quel est le lieu de mémoire, le même, comme un phénomène qui doit être examiné et analysé ensemble. Je n'entre pas parce que j'ai dit que je dois passer à, avec les vrais issues, c'est-à-dire l'histoire des sionismes. Vous savez, j'enseigne à l'Université Tel Aviv. Et nous n'avons pas un département d'histoire. Nous avons deux ou trois départements d'histoire. Un de départements que j'appartiens, qui s'appelle Histoire générale. Et je suis généraliste. Il y a un autre département complètement séparé, qu'on peut d'ailleurs terminer une licence dans un de départements sans entrer à des autres, qui s'appelle Département d'Histoire des peuples juifs. Complètement séparé. Et il y a un troisième département qui s'appelle Département d'Histoire des Moyen ». Et des moyens pardon. Moyen-Orient. D'accord Trois départements séparés. Hein On peut s'inscrire à un département et ne pas faire des autres. ce n'existe pas en France. Nous sommes riches. J'ai dit libéral, pluraliste. Dans le sens que l'appareil conceptuel dans le département de l'histoire des peuples juifs est complètement différent que appareils conceptuels dans l'histoire générale. Parce qu'en hébreu, on n'autolise pas, pour un juif qui émigre en Israël ou avant en Palestine, on ne dit pas il a émigré. On dit quoi En hébreu, il a monté. C'est tellement courant, c'est-à-dire que les gens ne, ne prennent prend pas compte. C'est incroyable ça. Même les gauchistes utilisent le vocabulaire, les appareils conceptuels d'histoire des peuples juifs. D'ailleurs, le déclenchement de toutes mes pensées, de faire une critique d'histoire l'histoire si commence avec des concepts. C'est les premières minutes que je commence à bouger, c'est-à-dire à cause des concepts, à cause du langage. Je pars. D'ailleurs, il y a un livre que vous n'avez pas mentionné. Ce n'est pas que parce que je voulais le vendre, mais c'est les mots et, et comment ça s'appelle Les mots et, et la terre. Et la terre. Et voilà, là-bas, il y a un chapitre, ou un article plutôt, qui a commencé tout ce processus de critique des historiographies modernes. Parce que j'ai vu que moi, même à l'époque, j'étais gauchiste, euh, pas exactement comme en France, ce n'est pas le même euh, phénomène. Et à cette époque, euh, j'utilisais tous les vocabulaires, tous les concepts, euh, comment dire. Euh, Monter en Israël, pas, jamais. Un juif ne peut pas émigrer en Israël. Seulement s'il est tra travailleur étranger qui n'est pas juif. Ça, on autorise le mot. Il existe émigrer, mais pas pour les juifs. Un le juif ne peut pas émigrer. Il peut émigrer en États-Unis. D'ailleurs, non. S'il va d'Israël en États-Unis, il descend. Maintenant, il ne faut pas rigoler parce que si j'étais à Tel Aviv ici, c'est tellement évident de dire descendre, monter. C'est une partie de notre euh, pas seulement vocabulaire, la façon de penser. Ça veut dire qu'on applique le mot monter » sur une place qui est la plus bas au monde. Vous savez que les mers mortes sur les continents, c'est les places les plus bas au monde, qu'on utilise le terme monter ». Et je parle sur les gens qui ne sont pas du tout religieux, parce que pour les religieux, je n'ai pas aucune discussion. Ils montent. Mais très peu de religieux montent. La majorité, c'était laïque, parce que le sionisme est un phénomène historique laïque commencé avec ça, avec le vocabulaire et aussi plusieurs autres choses, que j'ai commencé à examiner les, historiographies, les points histographies, les poids d'histographies sioniste dont les façons de façonner, autoriser le passé comme une arme politique extraordinaire, de la Bible jusqu'à le Shoah. D'ailleurs j'ai très peu le mot Shoah. Euh, J'essaie d'éviter ça. D'ailleurs, vous savez à partir de quelle date le mot Shoah figure dans le vocabulaire de, des Israéliens, des de manuels et après en Europe C'est très récent, c'est-à-dire à la fin des années 60. Le mot a existé comme une catastrophe naturelle, mais pas sur les génocides nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le Shoah figure comme terme et qui devient plus en plus importante à partir du début des années 70. Seulement, ça veut dire, même avant, on a tué, durant la guerre des Juifs, il y avait un génocide, mais il n'y avait pas le mot Shoah. D'ailleurs, j'ai commencé pour vous dire avec les montées, je suis critique aussi avec, et, et j'exprime ça dans le dernier livre, avec le terme Shoah, parce que vous avez, vous avez touché les mémoires, l'utilisation politique des mémoires. Vous devez savoir... Je ne mets pas en doute que les nazis ont tué en, environ 5 millions de juifs et de descendants, entre les 10 millions ou les 11 millions de gens qu'ils ont liquidés avec un assassinat pas conventionnel, on peut dire. Ce n'est pas durant les combats, ce n'est pas... Les nazis ont, ont, ont liquidé 10 millions de gens d'une façon non conventionnelle, d'accord C'est clair entre eux, moitié étaient des Juifs et des descendants des Juifs. Donc ça, ce n'est pas pour moi une question. Le problème est qu'utilisé dans les mémoire publiques les mots Shoah s'est fait séparer les Juifs des non-Juifs, parce que dans le Shoah il n'y a pas de morts non-Juifs dans le terme Shoah, dans le terme génocide nazi, bien sûr qu'il y a, dans le terme assassinat. Massacre en masse nazie c'est surtout les Juifs, ou les descendants des Juifs, mais pas seulement. Est-ce que vous savez par exemple, mon cher Lanzmann, qui lance les mémoires de Shoah en France et aussi dans le monde, une grande partie des nevers se déroule, déroule à Pologne, en Pologne. Vous savez, presque tous les films se déroulent dans les forêts polonaises. Quand bon, je vous avais dit, ni Drancy, ni Vild Veldiv, tout ça n'existe pas dans le film de Lanzmann. C'est la raison qu'il est devenu <laughs> un film tellement aimé en France. Hein? Mais. Ah oui, oui, on l'aime beaucoup, le film. Il n'y a pas de Drancy, il n'y a pas de Veldiv, ça va. Mais la majorité des, des films se déroulent en Pologne, oui, si quelqu'un a vu le film. Mais. Pas seulement qu'il ne mentionne pas des non-juifs qui étaient massacrés, assassinés par les nazis, mais il ne mentionne pas que autour de 2 millions, c'est-à-dire il y a, vous savez que 5, 5 à 6 millions de polonais étaient liquidés par les nazis. 3 millions entre eux étaient des juifs, des, des descendants des juifs, et 3 millions de gens euh, polonais d'origine catholique. Il n'y a pas un mot dans le, le film. Bon, il y a une discussion. Est-ce que c'est 2 millions ou 3 millions Bon, les Polonais disent 3 millions. Moi, comme toujours, je, je suis pour le 2 à 2, 2 et demi. qui étaient tués surtout par les nazis, mais aussi avec. Aussi, les Staliniens à l'Est ont liquidé pas mal des Polonais. Bon, ça n'existe pas. Donc, le mot Shoah fait une coupure. Vous savez, une point de vue historique, il coupe, d'accord Et voilà, il y a. Deux ans, apparut un livre d'un Anglo américain, anglo-américain, Snyder. Est-ce que vous avez attendu les. comment ça s'appelle Terre des Sans. Et dans les Terres des Sans, cet historien qui enseigne à Yale a fait une chose incroyable, c'est-à-dire, il a coupé différemment l'histoire. C'est-à-dire, il, il, il a. Il, il n'a pas mis en doute à un moment le massacre atroce des Juifs, sauf qu'il a ajouté des Ukrainiens et des Polonais, surtout. qui étaient, les, Surtout les Ukrainiens étaient comment dire, assassinés par les famines qui étaient organisées par le régime stalinien. Mais le fait qu'il a coupé différemment, vous, vous voyez, c'est le terre des sangs, il a coupé entre, si vous voulez, entre la reine et le Volga, ou quelque chose comme ça, il a fait une autre découpage de l'histoire avec des autres concepts. Bon, il était critiqué sévèrement par l'historien sioniste. Bon, il y a beaucoup de fautes de cet euh, livre, de Steiner, mais je crois que c'est un livre très important. Je vous conseille de lire ce livre. Mais c'est un autre découpage. C'est-à-dire, l'appareil conceptuel est différent. Et les usages politique est différent. D'ailleurs, les Ukrainiens ont aimé beaucoup les livres. Il y a des cercles à Paris qui qu'on aimait beaucoup moins. Pour continuer à propos des... J'ai l'avantage d'être un historien en Israël. Parce que la structure de cet enseignement de l'histoire en Israël actuellement ressemble beaucoup plus à l'histographie française au début du XXe siècle. Vous comprenez quel avantage, je suis dans le milieu des historiens qui pensent et écrivent comme on a fait ça il y a 100 ans en France, avec les mêmes tonalités nationales, les mêmes exa exagérations, c'est-à-dire nous, nous sommes encore en Israël de cette façon, à l'époque de l'Avis, vous connaissez les pères de l'histographie populaire française, c'est lui qui a construit la conscience historique et nationale de vos parents. Un partie de vos parents, parce qu'il y a des étrangers ici. Vos parents, vos oh, grands-parents, je ne sais pas, grands-parents, ouais. je m'excuse, je m'excuse, se tromper avec le temps, quand un historien qui se trompe avec le temps, avec la hache, c'est terrible. Grands-parents. La vie, ça a construit les consciences historiques de vos grands-parents. J'ai vis dans le milieu plus ou moins qui a les appareils conceptuels comme les historiens français que je lise et en début du XXe siècle. C'est avantage parce que j'étais à l'école des altitudes, j'ai terminé là-bas les thèses de doctorat, j'arrive en Israël. En début, ça va entre les généralistes, c'est-à-dire histoire générale, je me sens très à l'aise. Hein. Et voilà, je commence à me confronter avec l'histographie de Sioniste, qui est plus responsable que moi sur les manuels, parce que les manuels ne sont pas construits par les historiens de la département d'histoire générale. Donc, si vous voulez, c'est plus ou moins comme l'histographie ou les manuels d'histoire en France jusqu'à l'année 50 du XXe siècle. Voilà l'avantage. Le fait que je ne suis pas vraiment très original dans mes livres, que je pour, pourrais écrire comment euh, le peuple juif fut inventé. C'est à cause de cette si veux, fissure entre l'historiographie générale, ou l'historien général que je suis, et l'historiographie nationale qui a un département à part. Bon, Jusqu'à la publication de Comment le peuple juif fut inventé, j'ai eu de bons amis dans le département d'histoire du peuple juif. Je n'ai pas maintenant. Ils ne me disent pas bonjour dans le corridor de l'université, et de, de etc. Mais, parce que j'ai promis 50 minutes, mais je vais ajouter une chose pour affûter mes, mes arguments. J'ai commencé à écrire comment le peuple juif fut inventé, parce que je pensais que, vous savez, j'ai parti et je vous conseille de faire ça. Après que vous terminez la thèse, etc., de penser différemment sur les choses. Thinking out the box, vous savez, je, je me demandais comme ça, si j'utilise le mot peuple, nation, c'est-à-dire on, on dit, tout le monde dit, peuple juif, c'est vrai ou non Vous avez entendu qu'on dit peuple juif On dit peuple français, peuple juif, peuple italien, peuple... Bon, j'ai commencé à me demander, si on applique le mot peuple sur les français, sur l'italien, sur les allemands, sur le vietnamien, comment on peut appliquer cette ce concept sur les juifs. Parce que, bon, il n'y a pas une, comment dire, définition. Les historiens sont toujours, sont très mal avec les définitions, des façons qu'ils construisent le concept Vous savez, ils sont critiqués toujours. D'ailleurs, Nietzsche fait attention déjà sur les, les façons que les historiens conceptualisent leurs leur idées. Il était très critique, il a rigolé, c'est le fait marrer Qu'est-ce que c'est un peuple Bon, j'ai dit, on applique ça sur un groupe humain qui partage certaines cultures laïques, non Langue, parfois musique, nourriture, plein de choses, non Mais je me posais des questions. Quel lien unit un juif, il a 100 ans, 200 ans, et même aujourd'hui, un juif à Kiev, et un juif à Marrakech Quelle chose en commun Il ne parlait pas les même langue, ils ne peuvent pas communiquer. Ils n'ont pas les mêmes musiques, même la nourriture, même la nourriture cachée qu'ils mangent tous les deux, mais c'est complètement différent. Donc je demandais comment je peux appliquer le mot peuple. crotte, se considère comme être appartenu à mon peuple. Il ne veut pas venir vivre avec moi, vous savez ça ou non Surtout maintenant, après qu'il ait été reçu par l'académie. Mais même avant, il ne voulait pas venir. Mais il insiste qu'il est juif. Français qui appartient au peuple juif. Bon, je pense, j'essaie de penser une façon très simple, pas simple. Et je posais des questions. Qu'est-ce que c'est un peuple Est-ce que je peux appliquer Est-ce qu'il n'y a pas un usage politique dépassé en autorisant, Parce que vous devez savoir que dans le Moyen Âge, les choses qu'on appelle Moyen Âge, il y avait un peuple chrétien. On l'utilisait, c'était courant. Peuple de Dieu, God's people. Les chrétiens, c'est défini comme un peuple. Personne ne va pas dire aujourd'hui, pour le moment, je ne sais pas qu ce que, c'est va développer demain, mais ne dit pas peuple chrétien. Vous êtes d'accord, non On est arrivé même à définir la civilisation jude chrétien les derniers 40 ans. Vous savez, vous vivez aujourd'hui à Paris dans une civilisation de chrétiens. Ma tante qui était amenée à Auschwitz ne savait pas qu'Europe va se définir un jour comme judo-chrétienne. C'est joli, hein? Pour revenir, est-ce que Finkelkot appartient à mon peuple, qui ne veut pas vivre avec moi, qui ne connaît pas ma langue, qui ne peut pas comprendre un poème en hébreu? Non, mais il insiste. La question d'insister, c'est un rapport direct avec l'usage des passé et aussi l'usage des mémoires. Je m'arrête là. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Voilà. Comme j'ai promis.